Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez compris au niveau de l'intro, donc je veux vous parler de mon partenariat avec Eneba. Donc dans cette vidéo, j'ai commencé à en parler un peu au niveau de mon live, mais j'ai dit que j'allais en faire une vidéo pour parler davantage. Alors, pour les personnes qui connaissent pas, c'est quoi Eneba? C'est tout simplement un site de marché de jeux vidéo, voilà, qui va vous permettre en fait de pouvoir acheter vos jeux ou bien vos cartes ou quel que soit en tout cas ce que vous voulez, mais à des tarifs réduits. Alors Eneba a été créé récemment et c'est la raison pour laquelle il propose des prix bas afin d'être agressif sur le marché. Et donc évidemment, plus il y a de la concurrence, et qu'est-ce qui en profite? C'est moi, c'est vous, globalement, donc ce sont les joueurs. Du coup, sur leur site, eux, ils vont, avec leurs partenaires, en fait, ils vont voir, donc, ils ont plusieurs partenaires, et chaque vendeur a son prix, et avec les différents prix, ils vont vous proposer le prix le plus bas. Du coup, on va voir ce qu'il y a donc au niveau des jeux, par exemple. Donc, quand on regarde sur le site, vous avez des jeux Steam, des jeux Xbox, des jeux PlayStation, vous avez Nintendo Switch, Origin, Uplay, Epic Games, jeux GOG, je sais pas ce que c'est. Après, il y a Battle.net, il y a autres jeux, il y a même des prix commandes, des DLC. Vous pouvez aussi faire la découverte par le genre, par exemple, action, aventure, FPS, on va voir ça tout à l'heure. Vous avez indépendant, donc les jeux indie, MMO, plateforme, course, jeux de voiture, sport, stratégie. Vous pouvez faire la découverte par collection, donc les jeux Steam pas cher, Apex Legends, jeux toujours populaires, Battle Royale. Après, la découverte par prix, donc je retourne donc. Pour jeux pour moins de 1 euro, ça existe, et voilà, 50 euros et plus, et découverte par popularité. Donc le jeu le plus populaire actuellement, c'est Football Manager 2020. Après, il y a GTA qui est encore là. Après, il y a Age of Empire, Minecraft, et puis Temtem. Je pense que c'est un jeu qui ressemble à du Pokémon. Donc, qui est sorti récemment, je pense, même sur Nintendo Switch. Allez, du coup, au niveau de la boutique, qu'est-ce qu'on a? Elle se présente comme ça, d'accord? Et, ah oui, il se pourrait que vous ayez le site en anglais, donc il va se présenter comme ça, en fait. Voilà, je vous le mets en anglais. Voilà, la traduction est faite. Donc, le site peut se présenter comme ça. Après, il vous suffit juste de cliquer ici. Voilà, vous mettez language, vous sélectionnez français. Et voilà, la traduction est faite. Et vous pouvez même choisir donc le currency. Donc, vous mettez euro ou dollar ou tout ce que vous voulez. En tout cas, en fonction de votre pays. Et c'est vraiment mondial, quel que soit là où vous êtes dans le monde, je sais pas, aux États-Unis, voilà, en Amérique, en Europe, en Afrique, mais bref, vous pouvez regarder. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, on est au niveau de la boutique, donc moi j'ai mis le filtre popularité. Voilà, j'ai laissé populaire. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre le filtre par prix. Donc, il va vous afficher les produits qui sont vendus en fonction du prix, soit ordre croissant ou décroissant, ou bien en fonction de la date d'ajout du produit. Après, moi, j'ai laissé donc par popularité. Comme ça, je peux savoir qu'est-ce que les gens vraiment achètent. Vous avez donc plus de 10 000 produits et vraiment, ils font un effort conséquent afin d'ajouter plus de produits. Après, maintenant, ce que vous avez ici, la recherche, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme produit. Ça peut être un jeu, ça peut être une carte ou un DLC. Vous pouvez aussi sélectionner, par exemple, si vous avez 20 euros, vous pouvez dire ok, prix entre 20 et 20 euros. Donc, il va vous afficher tous les produits qui sont dans cette marge. Après, vous avez donc les contrées. Vous pouvez sélectionner le pays, c'est-à-dire les produits qui fonctionnent uniquement en France. Ou moi, je laisse ça comme ça. Je mets tous les pays et je descends. Là, par exemple, donc je préfère par région parce que la région Europe, bah, la France est inclus dans l'Europe, et je les sélectionne mondial aussi parce que c'est tous les produits qui fonctionnent dans le monde, quel que soit le lieu où vous trouvez.
EMEA, ça je ne sais pas ce que c'est. Ici, j'ai coché France. Pourquoi? Ça ne veut pas dire, ça veut pas dire que c'est le produit qui fonctionne en France, mais plutôt la langue. C'est-à-dire, imaginons vous preniez un jeu comme Overwatch. Donc, il se pourrait qu'il soit global, mais ça ne veut pas dire que si vous l'achetez, il va fonctionner. Mais est-ce qu'il va fonctionner en, est-ce que vous aurez la langue en anglais? Ce n'est pas sûr. Vous voyez? Donc, je sais pourquoi moi je sélectionne France. Normalement, dès que vous mettez France ici, il va cocher automatiquement Mondial Europe et EMEA, voilà, et puis France. Comme ça, vous êtes sûr que les produits que vous allez acheter, donc, ils vont fonctionner donc, dans la langue française. Ou bien, ce sera en anglais, mais sous-titré en français. Par exemple, GTA, vous savez bien, GTA Red Dead Redemption, c'est en anglais pour le vocal, mais vous aurez le sous-titrage donc en français. Allez, maintenant au niveau de la plateforme. Donc ça c'est bon, oui. D'abord vous avez le type, donc si vous voulez vous pouvez rechercher jeux, DLC, donc game point, gift card, sub. Ce sont les abonnements. Après, vous avez le système d'exploitation. Donc, si vous êtes sur PC, Windows, Mac ou bien Linux. Puis, vous avez plateforme. Bon, moi, je joue sur Xbox. On va parler de Xbox PlayStation. Après, il y a plein de choses qui sont aussi sur PC. Vous pouvez faire la recherche. Du coup, par exemple, PSN. Donc, ici, ça va afficher tous les produits. Tous les produits PSN, en tout cas PlayStation, qui sont les produits disponibles pour la plateforme PlayStation. Imaginons là, je mets FPS. Bon, après, vous n'allez pas voir Fortnite Warzone parce que c'est gratuit. Donc, vous avez des jeux comme Blood and Truth, vous avez Ghost Recon. Je vois qu'il y a Doom Slayer, donc PS4, c'est pour la région Europe. C'est-à-dire, quel que soit là où vous trouvez donc en Europe, ça a fonctionné. Vous avez Wolfenstein qui est en rupture de stock, Rock Company, vous avez Battlefield, voilà, Metro, Ghost Recon, apparemment ce sont les produits qui sont vraiment achetés, donc ils sont en rupture de stock. Vous voyez, Daylight, Mafia, Just Cause, Control et ainsi de suite. Donc ça c'est uniquement un jeu FPS, hein. Voilà. Après si j'enlève jeu FPS, vous voyez, il y a d'autres produits, il y a Spider-Man pour PS5, vous avez les abonnements qui sont là. Après, on va revenir sur les, on va revenir sur les abonnements. Donc, Horizon, FIFA, F1, voilà, il y a pas mal de trucs que je vais vous laisser regarder. Vous-même, vous allez voir NBA et ainsi de suite. Du coup, on a regardé pour PlayStation. Si on vient sur Xbox, par contre, là, vous voyez, il y a quand même 2000 produits. Donc, on regarde FPS Xbox. Donc, en FPS, ah oui, là, vous avez du Call of, vous avez Red Dead Redemption, vous avez Cyberpunk, The Division. Oui, je vous ai parlé de clés. Vous avez ici Europe. C'est-à-dire que ça fonctionne en Europe uniquement. Et vous avez qui global. En fait, global, ça veut dire que c'est mondial. Donc, quel que soit là où vous vous trouvez, ça fonctionne. Donc, c'est pourquoi c'est un peu plus cher, 34,17 €. Et ici, vous avez 30,45 €. Donc, ça fonctionne uniquement en Europe. Par contre, ça, quel que soit dans le monde, ça fonctionne. Vous voyez, donc il faut faire aussi attention. Après, pourquoi je laisse mondial? Parce qu'il se pourrait qu'il y ait des jeux qui ne sont pas forcément en Europe, mais vu que c'est mondial, ben bon, mondial normalement on doit les trouver en Europe, hein, mais on sait jamais. Donc il se pourrait qu'il y ait des jeux que vous n'allez pas trouver en Europe, même s'ils sont mondiaux, voilà, et ça va vous permettre de les acheter. Et quand j'enlève FPS. Voilà, boum, là on a quand même 2000, on a plus de 2000 produits, donc je laisse encore popularité. Vous voyez que ce qui est beaucoup acheté ici, c'est le Game Pass, et je pense que Game Pass Ultimate, il y en a pas mal qui essaient de découvrir, qui n'ont pas un peu, qui veulent savoir comment ça fonctionne le Game Pass Ultimate. Donc vous pouvez acheter pour 1 €, et après vous pouvez avoir pour moins cher, on va en parler tout à l'heure, il s'agit de mon code de réduction. Bibou Gaming, je sais pas pourquoi au niveau de ma chaîne, et malgré que j'ai changé le nom, j'ai mis Nabil L. Ceci dit, jusqu'à présent, YouTube garde Bibou Gaming. Peut-être je vais revenir sur Bibou Gaming. Ah oui, il y a le code Xbox Live Gold, vous savez, 12 mois qui a disparu.
Mais là, vous voyez, vous pouvez le trouver. Ce qu'on peut voir en général, là, c'est 6 mois. Là, il y a 12 mois. Ceci dit, c'est un code qui fonctionne uniquement en Europe. Et ça va vous permettre de faire la méthode de... avec le Game Pass Ultimate, histoire d'avoir justement le Game Pass moins cher pour 3 euros par mois. Donc il y a la méthode de conversion en fait du Xbox Live Gold dans le Game Pass Ultimate. Du coup, vous voyez par exemple ici, il coûte 42,95 €. Et puis là, je vais vous montrer un exemple. Donc, si je viens ici, vous voyez qu'il y a plusieurs vendeurs. Donc, il va vous proposer le vendeur qui a le prix le moins élevé. Donc, on a 99,99% en termes de confiance. Ça veut dire que les notes sont excellentes. Donc, c'est un vendeur à qui on peut faire confiance. Donc, on met acheter maintenant. D'accord? Du coup, vous allez atterrir ici. Donc, au niveau paiement, vous pouvez aussi prendre il met portefeuille Inibas. En fait, il y a des cartes cadeaux Inibas que vous pouvez prendre pour mettre dans votre compte. Après, vous avez PayPal, carte crédit, carte bancaire, American Express, NeoSurf ou PaySafe Card. Donc, est-ce que vous avez un code de réduction? Voilà, oui, j'ai un code de réduction. Donc, je mets Bibou Gaming. Voilà. Tout simplement. Attendez, Gaming. Et j'active. Voilà, vous avez encore 1,28 € de remise. Après, c'est un code de 3%, mais plus le prix est grand, plus en termes de pourcentage, vous allez gagner donc 1,29 €, donc environ 1,30 €. Donc, une carte normalement qui coûte. Attends, je vais voir. C'est quoi le prix de base? La carte, elle coûte normalement 60 €. Elle va vous revenir 41 €. Voilà, 41 €, vous avez plus de 20 € plus de 20 € d'économie. Et pareil, on va voir ça avec les cartes PSN. Imaginons qu'il y a un code, par exemple un jeu qui coûte 50 €. Ici, vous en avez pour 41,93 €. Donc, je mets acheter maintenant. Voilà, je clique. Je mets mon code, oui, Bibou Gaming. Attends. Ah oui, voilà, code de réduction, donc Bibou Gaming, voilà. Et hop, j'ai aussi 1,26 €. Donc, un jeu, par exemple, qui va coûter 50 €. Voilà, j'achète ma carte à 40 € environ 10 € moins cher. Voilà, je l'active sur mon compte PlayStation et puis voilà, j'achète mon jeu. Donc, au lieu de payer 50 €, c'est comme si je l'ai acheté à 40 €. Et vous pouvez regarder, en tout cas, si je mets les cartes, donc les cartes cadeaux, par exemple, carte PSN. Vous voyez bien qu'il y en a pas mal. Rupture de stock, les gens achètent beaucoup ici hein, parce que c'est moins cher. Vous voyez, 100 €, tout ça, c'est en rupture de stock. Vous avez aussi les abonnements qui sont là. Donc, non seulement vous avez une réduction de base, et en plus, vous utilisez mon code, vous avez une réduction en plus. C'est ça qui est cool. Vous voyez, les gars, donc, n'hésitez pas à aller donc sur Ineba pour effectuer vos achats. Imaginons, par exemple, je cherche un jeu, je sais pas, Assassin's Creed. Voilà, Assassin's Creed. Attention, Assassin's Creed. Voilà, Assassin's Creed Valhalla. Donc là, il montre tout ce qu'il y a pour. Attendez, les plateformes ici, PlayStation. Donc je pense que sur Sony, il n'y a pas grand-chose. Hein. Vous avez donc le Season Pass de Assassin's Creed Valhalla pour PS5 qui est disponible sur le store. Et je pense que s'il y a rupture de stock, c'est qu'il coûte moins cher ici. Et c'est la raison pour laquelle c'est un produit qui est très recherché. Après, vous n'avez pas les jeux. Donc, je pense que même les sites concurrents, parce que j'ai regardé, il n'y a pas aussi le jeu. Il n'y a que des DLC et des Season Pass. Maintenant, par contre, sur Xbox, il y en a. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Si vous voulez Assassin's Creed, attends, ça c'est Uplay. Je vais sélectionner Xbox.
Voilà, vous avez le jeu Ki Global, ça veut dire que ça c'est mondial, et Ki Europe, donc qui fonctionne en France, 35,17€, alors que le jeu de base coûte 70€. Et voilà, 35,17€, vous appliquez mon code de réduction, vous avez 3%, vous allez encore l'avoir pour moins cher. Ici, l'édition Ultimate, par exemple, elle coûte 120€. Vous l'avez pour 86€ ici. Donc, vous voyez, il y a vraiment des tarifs moins élevés. Voilà, les amis. Donc, je vais vous laisser. Donc, n'hésitez pas à aller sur Eneba, à regarder. Ah oui, dernière chose. Vous pouvez aussi avoir, donc, vous voyez la note Trustpilot, ce qui est très bien. Vous pouvez aller voir les avis des clients, des gens qui ont déjà fait leur achat sur le site. En tout cas, pour le moment, je vois que c'est 4.6. Ils ont quand même un score excellent. Vous avez aussi donc le support qui est disponible H24 et puis 7 jours sur 7. Et si vous avez, par exemple, un doute sur un produit que vous voulez acheter, est-ce qu'il va fonctionner dans votre pays ou pas, donc vous avez le chat qui est ici. Vous pouvez sélectionner, vous pouvez cliquer là, vous connecter avec un compte soit Facebook ou Google. J'ai déjà fait le test et ça fonctionne. Et voilà, vous pouvez avoir votre réponse. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Je vous mettrai tout justement en description. Vous avez les liens et voilà, FPS sur le site et mon code Bibou Gaming que vous allez trouver en tout cas prochainement dans mes vidéos et puis au niveau de mes lives. Et je mettrai des liens dans le chat aussi lors du live. Comme ça, vous pouvez aller directement. Voilà. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas en tout cas le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires, et on se trouve à la prochaine. Salut!